Salut à tous, c'est Denod, bienvenue dans Reading Review Extended. Ce mois-ci, on va parler de Negima, le maître magicien de Kanakamatsu. C'est du manga édité par Pika Édition. Ça vaut, alors de mémoire, 6,95 pour la version volume simple. Il y avait 38 tomes. La série est terminée. Et maintenant, la série rééditée en volume double. Ça vaut 10,90 et donc il y a 19 tomes, puisqu'il y en a moitié moins. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est tout simplement mon manga favori. C'est le manga avec lequel j'ai commencé à lire du manga il y a des années, via un magazine dont j'ai déjà oublié le nom, qui avait sur trois numéros d'affilée sorti un petit feuillet, vous savez, dans le style des extraits de manga que vous pouvez choper en convention ou en librairie. Et ben, en trois petits feuillets comme ça agrafés, vous aviez tous les chapitres du tome 1, et donc avec ces trois petits volumes, ça équivalait à ce tome-là. J'avais beaucoup aimé, du coup, bah, quand la suite est sortie en kiosque, pas en kiosque, en librairie, pardon, j'ai continué à l'acheter et bah, c'était mon manga fleuve pendant des années. Je l'ai suivi avec passion et j'étais très triste quand ça s'est arrêté, comme toute œuvre auquel on est attaché. Kanakamatsu, vous le connaissez peut-être plus pour ça, Lovina, qui est, quand on parle de Kanakamatsu en général, c'est oui, c'est l'auteur de Lovina. Eh bien, il faut savoir que pour moi, on devrait dire Kanakamatsu, c'est l'auteur de Negima. Parce que je préfère 10 fois Negima à Lovina. Il est très connu Akamatsu pour faire du manga qui est du manga harem. C'est-à-dire, vous prenez un héros, il est entouré de filles. Toutes les filles sont plus ou moins amoureux de lui, secrètement, moins secrètement. Avec les différents caractères un peu type japonais, animé, manga. Vous avez celle qui est toute timide, celle qui est un peu violente avec lui, celle qui est bizarre, qui n'a rien à voir à faire, etc. Bref. Ces deux premiers mangas, I Non Stop et Lovina, étaient pur harem. Negima commence en mode harem, mais il a évolué petit à petit vers du shonen un peu plus neketsu, plus shonen baston, le héros un peu au sang chaud qui va plus orienté combat et spectaculaire que harem. Et ça fait un bien fou, son manga suivant, Yuki Holder, est complètement de toute façon dans le délire shonen et plus du tout dans le délire harem. L'histoire de Negima, c'est l'histoire de ce petit garçon que vous voyez au premier plan, Negi Springfield. Il est magicien, il est anglais, il est diplômé d'une école de magie, il vient d'avoir son diplôme, et pour le confirmer en tant que magicien, il est envoyé en mission. Alors, c'est plus le délire un peu magicien, presque humanitaire, j'ai envie de dire. On les envoie en mission pour aider, pour mettre en place des choses, pour aider la population, pour endiguer une menace. Et lui, eh ben, il a envoyé dans une école japonaise, dans un lycée japonais, pour être professeur d'anglais dans une classe de lycéennes japonaises. Ce qui fait qu'il y a un gros décalage entre ces nanas qui ont 15-16 ans et le petit professeur qui est là, qui a 10 ans. Du coup, elles le prennent pas au sérieux au début. Il est trop chou, il est trop mignon, le petit prof, etc. Lui fait vraiment beaucoup d'efforts pour y arriver et au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette école est pas comme les autres. Il y a une espèce d'arbre géant qui est sur tout le domaine de cette école. Il y a une énorme bibliothèque souterraine qui mène à des galeries un peu space. Enfin, il y a des choses bizarres qui s'y passent. Il y a des enlèvements, il y a des personnes qui disparaissent, des personnes qui deviennent bizarres. Bref, il se passe beaucoup de choses. De toute façon, on est dans un univers magique. Quand c'est sorti, ça a été très injustement appelé le Harry Potter japonais. C'est faux. C'est pas parce que le héros est jeune anglais et qui fait de la magie que c'est Harry Potter au Japon. En aucun cas. Vraiment, il y a. La comparaison s'arrête là, hein. Il faut pas insister plus que ça. Donc au début, il y a vraiment ce délire de. Il entoure une classe de filles. Il y a quand même 30 ou 30, 31, 32, je sais plus. Enfin, une bonne trentaine de nanas dans sa classe. Ce qui fait beaucoup de personnages secondaires. Tous, toutes, plutôt, auront un chapitre ou même plusieurs qui leur seront dédiés, au moins un chapitre. Très clairement, au final, on n'en retient plus qu'un tiers qui est plus travaillé que les autres, qu'on voit plus souvent, qui a un vrai rôle dans l'histoire, et le reste, bah, c'est sympathique, on les voit un petit peu, elles sont là sur certaines phases de groupe, elles ont eu leur chapitre, mais on s'y attache pas plus que ça. Et heureusement, parce que un manga comme ça à tenir avec 30 personnages secondaires, si on les garde tous, c'est mort, quoi. Enfin, c'est, on s'y perd de trop. Donc, naturellement, on va dire que les personnages intéressants se dessinent, se dévoilent, et on les suit plus facilement. Au niveau de la fin, ça se termine en 38 tomes, je suis pas spécialement fan de la fin. Je la trouve. C'est pas que je la trouve bâclée, je la trouve très très hâtive. Le dernier arc est méga long, faut savoir qu'au début, c'est à peu près un tome, un arc.
puis arriver au tome 4, je crois, 4, 5, 6, on a un arc, puis après, on a des arcs de plus en plus longs en fonction des tomes, et le dernier est très très long, je ne saurais plus vous dire combien il fait de tomes, mais c'est le plus long de la série, et bah, il se termine presque en 3 chapitres, le combat final n'est pas aussi long qu'on l'aurait voulu, il va plutôt vite, la résolution est un peu facile, la fin qui est choisie est me plaît pas forcément, mais d'un autre côté, on sent que ça a été un peu fait précipitamment au niveau de la fin, et on sent que l'auteur avait encore envie de travailler sur cet univers-là, puisque son manga suivant, Yuki Holder, dont je vous parlerai en profondeur une autre fois, se passe dans le même univers, quelques dizaines d'années plus tard, peut-être quelques... pas quelques centaines, mais peut-être une centaine, c'est possible, je sais plus exactement. On y retrouve des lieux qu'on a déjà vus, on y retrouve... des choses qu'on a déjà vues, certains mêmes personnages, hein, je vous rappelle que c'est un univers magique, donc il y a des choses qui vieillissent plus facilement que d'autres, il y a des choses qui ont des capacités que d'autres n'ont pas, mais ça se passe dans le même univers, et c'est la suite. Vraiment, plus on avance dans Yuki Holder, plus on se rend compte que c'est la suite, et je suis pas sûr qu'Akamatsu avait vraiment envie de terminer Love in a Negima. Ça a été fait. La fin est ce qu'elle est. Maintenant, si comme moi vous avez aimé Negima, vous pouvez lire Yuki Holder. Ça fait que la fin est moins traumatisante, on va dire, moins choquante. Après, ça reste quand même un très très bon manga. L'auteur dessine super bien, vraiment, j'adore son style. Hop. Voilà. C'est propre, c'est classique, il n'y a rien de très particulier. J'aime beaucoup les tenues, j'aime beaucoup la manière dont il travaille certaines tenues, certaines tenues de combat que peuvent avoir les personnages, que je trouve très chouettes. Il dessine bien les combats, il dessine très bien les filles. Faut savoir que c'est un auteur qui aime beaucoup mettre des filles dans des tenues un peu légères, parfois très sexy. On est dans une école japonaise, donc il y a beaucoup de scènes de bain public. Mais on est dans le sexy, on est dans un petit peu grivois des fois, mais on tombe jamais vraiment dans le vulgaire ou dans des choses qui doivent pas être vues. C'est du tout public, hein. Il n'y a pas d'indication d'âge dessus. Il y a toujours une serviette qui passe, la main d'un autre personnage qui cache le champ, une mèche de cheveux qui tombe comme il faut. Bref, c'est détaillé, mais les détails qu'on devrait pas voir, on les voit pas. Voilà. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez lire, c'est relativement chaste, c'est sexy. Je peux pas dire le contraire. Mais en même temps, on sent qu'Akamatsu prend énormément de plaisir à dessiner des personnages sexy. Et il le fait bien, hein, faut dire ce qu'il est. Ça marche plutôt pas mal. Donc Negima, c'est un gros coup de cœur. Il y a eu 2 adaptations animées qui sont franchement pas terribles. Il y a eu des OAV qui sont plus sympas. Une adaptation en drama dont je ne parlerai pas, tout simplement. Et il y a eu un deuxième manga qui est Negima Neo. Le Maître Magicien, c'est supervisé par Kanakamatsu, c'est dessiné par Takuya Fujima et supervisé par Shaft. Shaft, c'est le studio qui a fait le deuxième animé. Alors, il faut savoir que le premier est pas joli, mais à peu près fidèle. Le deuxième est beaucoup plus joli, mais se barre beaucoup plus dans des délires, prend beaucoup plus de liberté, notamment au niveau des combats, du système de magie, du système de partenaire magique. Et c'est ce délire qui est repris dans ce Negima Neo. Ça fait 7 tomes, et pour vous dire, bah, ça a cartonné. C'est plus édité en volume simple, c'est réédité en double pour faciliter l'accès aux gens. Ça a fait 7 tomes et c'est plus réédité, ça ne sera plus, enfin c'est plus commercialisé. Donc très clairement, vous dites pas, ah ouais 38 tomes c'est beaucoup, je vais commencer par Neo. Non. Commencez par le manga de base, si vous accrochez, vous pouvez jeter un œil à Neo pour voir, tiens, comment ça pourrait se passer de manière un peu différente. Mais pour le coup, je trouve pas que Negima Neo soit très intéressant à lire en lui-même. Et en tout cas, il est bien moins que le Negima de base, voilà. Donc si vous devez en préférer un, ce sera le Negima classique. Je vous encourage très vivement à le lire. Si vous le trouvez en bibliothèque, si vous avez quelqu'un qui peut vous les prêter, c'est vraiment bien. Moi, c'est un manga que j'adore, que je ne peux que vous conseiller. Et on parlera bientôt de Yuki Holder, qui est la suite, qui a beaucoup de qualité aussi. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.